Je suis entré à la Grande Chaumière où il y avait un atelier préparatoire au concours d'entrée des Arts Déco. J'ai réussi mon concours et j'ai fait toutes mes 4 années d'études aux Arts Déco à Paris avec différents professeurs. Mais en finissant, la dernière année était une année spécialisée où on choisissait la matière dans laquelle on voulait passer son diplôme. Bon, moi c'était la peinture. Et j'ai eu la chance d'être dans l'atelier de Marcel Bromer qui a été mon maître. Que j'ai encore fréquenté quelques temps après qu'il ait quitté l'école, et qui a été pour moi un maître précieux et absolu. Ma deuxième œuvre murale, c'est ça. C'est ce que je voulais vous montrer parce que, en fait, pour la petite histoire, on en discutait des fois avec ma femme. Je disais, j'aimerais bien peindre ce plafond qui est tout bête. Et puis, bon, je ne trouvais pas l'occasion de le faire, pas le temps, pas la volonté. Et puis, une fois, ma femme est partie chez mes enfants à Paris pour le week-end. J'ai pris mes pinceaux, un petit traiteau, j'ai peint le plafond. J'ai peint le plafond et quand elle est rentrée, je n'ai rien dit. Elle est rentrée, elle a traversé pour aller aux toilettes, elle a tordu la tête, elle est revenue, elle n'a encore pas vu la tête. J'étais vexé comme un rat. Je lui dis, mais quand même, regarde. Voilà. Est-ce qu'il y a une projection, enfin un éclairage qui. Non. Non, je pense ça comme ça. Avec la lumière. C'est terrible pour les muscles de la tête. Oui, alors j'allais vous dire. Les cervicales sont mises à rude.